Le Festival d'Avignon, notre grand partenaire, grâce auquel nous sommes là, et cette année, c'est l'Odyssée. C'est l'Odyssée qui nous rassemble. Alors, vous allez être plongé pendant une petite heure au cœur de ce que la radio peut faire d'absolument magique avec la fiction. Représenter le monde avec intelligence et émotion, avec émotion et intelligence, grâce à des textes, grâce à des comédiens, des musiciens, grâce à des réalisateurs, grâce à des techniciens, et puis aussi avec un peu de travail, et puis beaucoup, beaucoup d'amitié et de fidélité. Les personnes que vous allez voir sur scène ce soir se sont déjà retrouvées l'année dernière, se sont constituées comme une petite troupe l'an passé au même endroit, et puis se retrouvent cette année autour d'Homère. Alors, vous savez, les grands textes, les très grands textes de la littérature, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'ils nous emmènent ailleurs avec d'autres gens que nous, et ils nous reposent de nos vies. Et puis dans le même temps, ce qui est formidable avec les grands textes, c'est qu'en fait, ils nous parlent tous de nous et qu'ils nous aident à vivre. Alors vous allez sans doute écouter ce texte, vous verrez, avec des allers-retours entre le temps dans lequel ils vous projettent, ce temps de la guerre de Troie, et puis aujourd'hui. Vous allez voir revenir, je l'espère, ces allers-retours entre le présent et le passé. Ces allers-retours, ce texte, nous le devons à un auteur, à un ami, Wajdi Mouawad, qui est par ailleurs le directeur de La Colline et qui est du Théâtre de La Colline à Paris et qui est aussi un grand écrivain et un grand dramaturge et qui est venu ce soir exprès pour cette représentation, et je le remercie fort d'être ce soir parmi nous. Et puis vous allez voir des comédiens, une comédienne, vous allez voir Issam Krimi qui a composé la musique et qui sera au piano, Alexandre Planck sera à la réalisation, vous allez voir arriver par ordre d'apparition, dans l'ordre alphabétique, Amira Khazar, Adama Diop, Xavier Gallet, Jérôme Kircher, Sofiane Zermani et puis aussi Thomas Kuttner. Et puis vous allez entendre un personnage qui n'était pas prévu, me semble-t-il, dans l'écriture de Wajdi, peut-être il nous dira le contraire tout à l'heure, que l'on a vu apparaître hier soir et qui s'appelle Le Vent. Ce vent, hier soir, il a été absolument épatant parce que quand on était dans la guerre, il soufflait des rafales fortes. Et puis au moment où on est rentré dans l'intime de la mort d'Achille, tout d'un coup, il s'est calmé, le vent, et puis tout d'un coup, le silence s'est fait. Et on a terminé cette soirée presque sans vent. Alors on va voir ce qu'il nous présente, ce qu'il nous prépare pour ce soir. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Dans quelques minutes, nous sommes en direct sur l'antenne de France Culture. Merci de votre présence à tous. Pas de cette Aristoteles dont on dit qu'il inspire toutes les erreurs des gens.
vous vous moquez de moi, vous refusez de travailler, je vous inspire. Vous restez des semaines entières sans me donner de vos nouvelles. Et lorsque j'en ai, elles me font regretter de vous voir, enfin. Ma chère, je comme les cordons de votre bourse. À quoi bon votre sollicitude ? C'est un plan. Qu'en voulez-vous faire ? Oh, cette fois, je ne m'adresse pas à vous en mauvaise intention. Il ne s'agit pas de faire le mot dans les tavernes avec vos sous, de me promener dans les rues. En caparaçon de trois quarts d'or, non, en fait, c'est pour une bonne action. Quelle bonne action ? Il y a deux de mes amis qui voudraient acheter une layette à l'enfant d'une pauvre veuve de Brigitte, qui me charité. Ça coûtera 3 florins, donc je voudrais mettre le mien. Comment ça fait, vos amis ? Pierre Lassommeur et Baptiste Croque-Mitaine. Oh non, en vérité. Ils vont à une charité comme une bombarde sur un maître-hôtel. Une layette qui doit coûter 3 florins, c'est pour l'enfant d'une autre layette. Depuis quand les veuves ont-elles des marmots en maillot ? Oh, et puis tant pis, j'ai besoin d'argent pour aller ce soir au bal d'amour. Mais des rames impures. Je n'en pas. Je suis normal, me. Vive la joie, je me perdrai. Je me battrai, je casserai les ponts et j'irai voir les filles. Mais ça, tout foutez donc corner ici, vous, vos dîners et vos bouteilles. Vous êtes sur une bande glissante, savez-vous où vous allez? Ça se passe au cabaret. Le cabaret mène au pilori. C'est une lanterne comme une autre. Le pilori mène à la potence. La potence, c'est une balance qui a une main à vous et toute la terre à l'autre. Il est bon d'être là. Oui, mais le commencement aura été bon. Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h sur France Culture et nous ouvrons ce soir notre semaine de fiction en direct du Festival d'Avignon avec pas mal de Mistral ce soir. Chaque soir, vous pourrez découvrir des créations radiophoniques et des lectures enregistrées dans le jardin du musée Calvet. En dialogue avec le festival, nous avons déroulé à notre manière le fil de l'Odyssée choisi par Olivier Py. Et c'est ainsi qu'est née la création radiophonique que vous allez entendre ce soir, La mort d'Achille, un texte inédit de Wajdi Mouawad, réalisé par Alexandre Planck.
Wajdi Mouawad a écrit spécialement pour France Culture ce poème épique qui part d'un événement, la mort d'Achille. Wajdi Mouawad imagine un rivage au pied de Troie détruite. Les chefs de guerre, Agamemnon, Ulysse, Nestor, Ajax, mais aussi Thétis, la déesse mortelle, la mère d'Achille, sont réunis autour du corps d'Achille et ensemble, ils se remémorent ses exploits. Et c'est alors un grand texte politique qui prend naissance. Si Achille, le dernier des héros, le demi-dieu, est mort, alors comment continuer la guerre? Car quelque chose aura changé avec la mort d'Achille. Wajdi Mouawad interroge la responsabilité des vainqueurs et demande où sont passés les dieux. Cette création à Avignon, nous avons aussi voulu poursuivre notre compagnonnage avec Issam Krimi pour la musique et avec Sofiane Zermani. L'an dernier, Sofiane Zermani était Gatsby. Ce soir, il sera Achille. À ses côtés, Amira Kazar, Jérôme Kircher, Adama Diop, Xavier Gallet et Thomas Kuttler. Cette création est retransmise en vidéo sur le site franceculture.fr et ses comptes Facebook, Twitter et YouTube. Et nous retrouvons tout de suite en présence de Wajdi Mouawad qui est dans la salle ce soir et que je salue. Nous retrouvons en direct du Musée Calvet au Festival d'Avignon les comédiens et les musiciens que vous pouvez applaudir. Ils sont sur le plateau. Rivage de la mer en contrebas de Troie en flammes. Grands oiseaux noirs dans un ciel charbon. Ulysse, fils de Laërte, observe le feu et n'entend pas les appels. C'est la voix de Taltibios. Ulysse, fils de Laërte. Il approche, les pieds parfois sur le sable, parfois dans les vagues. Toujours à part, Ulysse, fils de Laërte. Toujours à guetter l'ennemi quand les autres festoient. Que fais-tu loin des Grecs? Je te cherche sans relâche. Agamemnon ordonne ta présence et nulle part où te trouver, ni auprès de tes nefs, ni parmi tes hommes. Et là, approchant de Troie en feu, grimpant la hauteur des collines, je t'ai vu dans la pâleur du soir, pleurant peut-être ceux qui sont morts, redoutant quelques Troyens. Ce n'est pas un ennemi que je crains, Taltibios, messager des hommes, mais les énigmes de la nature. Regarde. Les oiseaux planent en cercle sans lancer le moindre cri, ni battre l'air de leurs ailes. Et de ce côté-ci, regarde, regarde, pas un souffle, pas un signe. Le sable du rivage semble gagner sur la mer, et la mer, ne dirait-on pas qu'elle s'éloigne? Comment la mer pourrait-elle s'éloigner? Le carnage de cette nuit la fait fuir. Ce carnage est notre victoire? N'en es-tu pas toi l'architecte? N'est-ce pas par ta ruse que nous avons réussi à pénétrer l'enceinte de Troie? Étrange architecte en vérité, dont l'art consiste à détruire les cités, à répandre la terreur, faire couler le sang. Sans ce cheval de bois, Achille serait encore vivant. Si Achille est mort, c'est qu'Apollon l'a voulu. Et qui pour contester la volonté des dieux? J'observe, simplement, les conséquences que sa mort aura pour nous. Au cours de ces longues années passées ici à nous battre, j'allais et venais portant les messages entre les chefs, entre les guerriers, entre les Grecs et les Troyens, et jamais, Ulysse, je ne t'ai vu trembler et ni avoir peur. La guerre est achevée. Nos ennemis sont sous terre et te voilà rongé par l'inquiétude. 10 années à nous dire quand la guerre sera finie, nous serons heureux. La guerre est finie, nous ne sommes pas heureux. Tu t'attristes quand Troie est tombée? Non, mais j'entends ce qui gronde. L'abandon pose sa chape de plomb. L'abandon de qui par qui? L'abandon des hommes par les dieux. Qu'est-ce qui te le fait croire? La mort d'Achille, c'est un achèvement. En massacrant cette nuit les Troyens, comme nous les avons massacrés, nous avons démontré aux dieux que nous n'avions plus besoin d'Achille, plus besoin de héros. Nous nous suffisons à nous-mêmes. Alors, les dieux nous l'ont pris. Ils l'ont tué, scellant les portes entre eux et nous.
Avec Achille s'en est allée aussi la magie. Il suffisait de le voir vêtu de ses armes, avancer, défiant la mort terrible, pour nous convaincre de l'enchantement du monde divin et humain, mortel et immortel. Qui aujourd'hui pour rendre jaloux les dieux de notre fragilité? Je suis venu, Ulysse, car Agamemnon ordonne au chef de veiller la nuit durant autour du corps d'Achille, pour qu'à l'aube nous brûlions son corps et nous allions raser ce qui reste de la cité de Priam et signer ainsi notre victoire. Peut-être qu'alors l'ombre qui t'attriste se dissipera à son tour. Va dire au chef que je serai là. Taltibios, messager des hommes, s'éloigne en courant, un pas sur le sable, un pas dans la mer. Le soir s'efface dans l'obscurité de la nuit. Le cadavre d'Achille trône au milieu du peuple des guerriers grecs. Le corps est lavé, enduit d'onguents, recouvert de tissus brodés, le visage maquillé d'or et ses armes posées autour de lui. Son bouclier, son casque empanaché, sa lance meurtrière et son épée à double tranchant, tous forgés par Héphaïstos. Il semble dormir, statue dorée, les feuilles éclairent sa beauté. Un homme s'avance, c'est Nestor. L'homme au doux langage, orateur de Pylos, bon conseiller de chef, apprécié de tous. Peuple des guerriers, voici. Voir ne suffit pas, il faut aussi dire. Hier, Achille, le plus grand des héros, Achille semblable aux dieux, est mort. Apollon l'infaillible l'a voulu. Grecs, ils sont là, vos chefs, et ils pleurent. Agamemnon, roi des rois, Ménélas le sublime, Ulysse l'ingénieux, Idoménée l'infaillible, et Ajax, rempart des Grecs, le plus fort après Achille, pleurent aussi, sans se cacher. Nous sommes là, nous, Achéens, qui avons défait Ilion, et hormis les morts, nul ne manque à l'appel. Et de tous les coins de la Grèce, ils continuent à arriver les autres pour toucher du regard ce qui sort des limites de l'imagination et reprendre à leur compte ce cri. Achille est mort. Que débutent les honneurs. Tapez de vos lances. Faites trembler le sol alors que se répand autour de son cadavre le sang de 27 nouveaux-nés troyens, un à un égorgés, un pour chaque année qu'Achille a vécu et autant de taureaux pour rendre honneur aux dieux qui nous ont donné aujourd'hui la victoire. Les lances cognent le sol et les nouveaux-nés et les bêtes sont égorgés dans les pleurs, les cris et les bêlements d'agonie. Agamemnon s'avance, le casque empanaché de la douleur, de la couleur du deuil. Les guerriers scandent son nom en signe d'allégeance et d'écoute. Agamemnon, Agamemnon, Agamemnon. Guerriers, pour Achille, nous avons répandu le sang, nous avons honoré les dieux, nous avons aussi versé nos larmes. Mais sang, sacrifice, larmes, à quoi bon? Veillons sur son cadavre et passons la nuit pour qu'il entende depuis les vallées qui le conduisent vers l'Hadès le son de nos voix. Et afin qu'il ne se perde pas dans les chemins, racontons-lui ce que furent ses exploits et remémorons-nous ses actes les plus prodigieux parmi tous ceux qui ont été accomplis au cours de cette guerre. Agamemnon, chef. Je prends la parole quand aucun de ceux qui sont présents ici n'oserait la prendre pour te dire ce que nous avons à te dire. Aucun mortel n'est à lui seul la mémoire d'un peuple. Et pour raconter, nous raconterons, mais nous savons aussi la querelle qui a surgi entre Achille et toi. Et si cette guerre a duré ce qu'elle a duré, c'est à cause de cette dispute. Nous avons une immense rancune contre elle. Aussi, nous sommes frappés de stupeur devant le chagrin que tu éprouves à la mort de celui contre qui tu n'as eu cesse d'insulter et en qui tu as fait naître une colère immense, colère funeste, colère détestée puisqu'elle a causé mille souffrances aux Achéens. Agamemnon, chef,
Le respect se gagne par la crainte ou par l'amour. Tu étais, toi, celui que nous craignions quand il était, lui, celui que nous aimions. Achille est mort et tu pleures. Nous avons tous ici été les compagnons d'Achille. Alors, avant qu'ensemble nous nous remémorions ces gestes, dis-nous, toi, la réalité de ce que tu éprouves pour que rien ne soit mensonge, ni ne vienne déshonorer l'âme de celui qui n'est plus là pour te répondre par la parole. Nous sommes les jouets des dieux, Nestor. Ils nous brisent dans la poussière. Contre cela, nous ne pouvons rien. Une querelle détestable a jeté la discorde entre Achille et moi, qui nous a aveuglés. Zeus l'a voulu. Mais est-il un mortel qui ne soit pas soumis à des forces qui le dépassent ? Venant ici, j'ai perdu une fille dont j'ai fait moi le sacrifice pour offrir le vent à nos nefs, et aucun de vous n'a trouvé à se lamenter. Ai-je menti dans ma douleur ? Nous avons vu mourir bien de nos hommes au cours de ces 10 années, dépenser notre jeunesse, les années de bonheur auprès des êtres que nous aimions, et j'ai perdu, quant à moi, l'affection de mes hommes. C'est l'homme d'aujourd'hui qui pleure, non pas celui d'hier. Qui pour m'en empêcher ? Et que ce soit cet homme hier, cause de cette dispute, ou cet homme aujourd'hui, j'aurais été toujours au plus près de moi-même. N'espère pas entendre un seul regret sortir de ma bouche, Nestor, orateur de Pylos. Et pour prouver que je prends sur moi ce que j'ai été hier et ce que je suis aujourd'hui, je veux bien replonger le premier dans l'âcreté de cette colère, la revivre devant vous en la racontant. Qui veut en débuter le récit ? Permets que je commence, fils d'Atrée. Ulysse, je connais la mesure de ta parole. Entre par la porte qui te convient, nous te suivons tous. Ulysse, un digne fils de Laërte, se leva, et traversé par le souffle de la déesse, il éveilla la douleur de notre mémoire et ouvrit la porte du récit. Nous étions sous la tente du roi, et l'un contre l'autre, se sont levés les deux chefs face à face, deux soleils se disputant le ciel, deux soleils se dévorant dans l'or du jour. Comme parfois deux fauves affamés s'affrontent, la nature autour se tait, ils sortent leurs griffes, ils rugissent, et tout entre en deuil, car de ce fracas ne peut naître qu'un malheur. Ainsi, nous nous sommes tus lorsque Achille, fils de Pélée, se dressa devant Agamemnon, fils d'Atrée. Toi, Agamemnon, tu prends et ne laisses rien. Et quand tu nous ordonnes de verser notre sang, toi, tu ne verses rien. Dans l'ombre, tu exiges la lumière. Tu n'es pourtant pas l'égal des dieux, et bien des mortels te valent au combat. Depuis toutes ces années où nous sommes retenus ici, nous ne savons plus pour qui nous nous battons. Nous affrontons les Troyens, et jour après jour, envions ceux qu'ils défendent. Pas un de ceux que je tue ne meurt sans laisser voir la fierté de verser son sang pour sa cité. Quand nous, les Grecs, ne savons plus pourquoi nous tuons quand nous tuons, ni pourquoi nous mourons quand nous mourons. Et voilà qu'après t'avoir entendu injustement réclamer la fille du prêtre d'Apollon, moi, je me lève et t'adressant des paroles amicales, je t'invite à la raison, Agamemnon. Agamemnon, ne laisse personne dire après ton passage, voilà celui qui fut injuste et qui fit injure aux dieux. Rends au prêtre sa fille afin que l'harmonie retourne parmi nous et que, réconciliés, nous allions abattre la cité de Priam. Et toi, la langue rougie par l'orgueil, tu réponds, moi, Agamemnon, je rends au prêtre d'Apollon sa fille. Oui, Achille, je réponds, je rends au prêtre d'Apollon sa fille. Mais en échange, prendrai ta part, Achille, si prompt à donner des leçons. Je prends Briseis aux belles joues, je la prendrai, oui, pour qu'il ne soit pas dit que j'ai plié devant toi. Tu t'es levé, Agamemnon, et tu as répondu mot pour mot à la colère d'Achille. J'ai répondu mot pour mot car il m'a pris de haut, heureux de m'humilier devant les hommes ici assemblés, mettant en jeu mon autorité à l'heure où le découragement, le désespoir, la fatigue et le chagrin nous gagnaient tous. Et qui veut humilier son roi sera humilié doublement en retour. Mais je vais te dire, Achille, aussi fort que tu sois,
tout demi-dieu que tu es, je ne te crains pas. Et entre-toi ça dans le crâne. Ce que vaut un homme, sa qualité, on ne peut les connaître avant qu'il se soit montré dans l'exercice du pouvoir. Celui qui a la charge de diriger une armée a le devoir de ne jamais se montrer faible. Car il n'est pas de pire fléau que l'anarchie. C'est elle qui ruine les cités, qui détruit les foyers et met les armées en déroute quand vient l'heure du combat. Et l'heure du combat est là. Et tu veux que moi, devant mes hommes, je courbe l'échine et m'effondre aux pieds d'un guerrier qui ne sait rien faire de mieux que manier l'épée et rougir la terre et est ignorant dans l'art de commander. Je te prends ta part, Achille. Je te confisque Briseis. Qu'on me l'amène. Qui osera affirmer que je ne t'ai pas tenu tête? Tourne ta colère contre toi, car tu es toi et toi seul la source de ce qui te fait souffrir. Et si j'agis de la sorte, c'est pour que les Grecs, aux heures les plus sombres, ne doutent aucunement de l'identité manifeste de leur chef. Toi, Agamemnon, tu te lèves au milieu de nous et pour libérer Hélène, la femme de ton frère Ménélas, tu enjoins les Grecs à venir ici ravager la grande cité de Priam, qui ne s'est rendue coupable envers moi d'aucun mal. Qu'ai-je à faire avec toi et avec ton frère incapable de garder pour lui sa femme? Qu'ai-je à faire de tes malheurs, Agamemnon? Moi qui suis venu à Troie pour mourir jeune et acquérir une gloire éternelle, je ne trouve que misère et injure. Toi, tu te lèves au milieu de nous et parce que tu es roi des rois, tu sèmes la dispute, la colère, l'injustice. Cela, aucun dieu ne te l'a ordonné. Aucun dieu ne t'y a forcé. Toi, tu te lèves et tu dis, cette femme est à moi, je la veux. Les hommes depuis tombent comme des essaims et tu continues toi à dire, je veux ci, je veux ça, je veux cette femme, je veux ce butin, je veux cette rançon, je veux. Prends donc ma part, à toi Briseis aux belles joues. Envoie donc tes messagers la chercher, mais je vais te dire, et ça, rentre-le bien dans ton crâne. De moi ni d'aucun de mes guerriers tu ne tireras plus rien. Plus un geste, et que ce soit les autres qui brebis vers la horde de loups, aillent s'éventrer sur le glaive du grand Hector, dévoreur d'hommes, je me retire des combats. Vois tes hommes blêmir à présent, quand les Troyens auront enfoncé tes défenses, quand tu viendras pleurer devant ma tente, me suppliant de reprendre les armes, je veux bien être maudit si je déroge à cette promesse que je fais ici. Nous nous retirons de ton combat, et que plus rien de détestable venant de toi n'ose approcher de mes nefs. Je lui ferai mordre la poussière et, sache-le, du côté des Troyens, je tournerai mes forces contre toi et ton armée. Dans le silence de cette colère immense qui résonne dans la mémoire de chacun, voilà qu'approche une déesse mortelle, une déesse à la parole certaine, au visage défait par le chagrin. Pourquoi pleures-tu, Thétis ? Quand ton fils a atteint une gloire qu'aucun d'entre nous ne pourra espérer atteindre, pourquoi pleures-tu quand tu savais qu'il avait choisi une vie courte en échange d'une gloire éternelle? Ne devrais-tu pas te réjouir? Au contraire. Pourquoi je pleure? Entends-tu, Achille? La question que l'on pose à ta mère. Pourquoi je pleure? Je savais que tu allais mourir. Les dieux me l'avaient prédit. Alors oui, pourquoi je m'étonne de te voir allongé là? Pourquoi je pleure? Mon fils est mort et cette mort lui offre une gloire éternelle. Mais moi, que m'importe cette gloire? La plainte m'est interdite puisque je reçois en échange de ta mort l'immortalité de tes exploits. Mais qui converse avec tes exploits? Qui marche en s'appuyant sur des exploits? Qui vieillit en voyant autour de lui s'agrandir la famille de ses exploits? Pourquoi je pleure? Puisque je savais l'heure de ta mort. Pourquoi je pleure et de quel droit je me lamente?
La mère, qui est dans l'inquiétude de son fils parti à la guerre, vit dans l'espoir de le voir revenir, mais moi je n'avais nul espoir. Achille ne reviendra pas de Troie. Les oracles me l'ont répété. Et pourtant... Pourtant c'est... C'est comme si je ne savais rien. Devant son corps sans vie, la mémoire s'éteint. Et il ne reste... qu'une inversion monstrueuse. Mon fils est mort et je suis en vie. Et tout... Tout... La forme des nuages, la mer, les cités, les foules, le ciel... Tout semble vide et chaque seconde qui passe, chaque soleil qui se couche me murmure cette phrase inouïe. Femme, ton fils est mort. Celui au bras duquel tu te tenais pour marcher, cet homme-là, ce garçon-là, ce fils-là, cet homme-là est mort. Entends-tu? Tu revois son visage? Il est mort. Tu ne t'appuieras plus sur lui. Cela n'existera pas. Que m'importent les dieux? Que m'importent les humains? Je voudrais lécher la terre. Je voudrais lécher les pierres. Je voudrais lécher l'eau de la mer. On a beau savoir, tout s'effondre à la vue de son enfant mort. Que me reproches-tu, Ulysse? Ta mère ne verserait-elle pas autant de larmes s'il fallait qu'elle apprenne ta mort? Et n'est-il pas donné à nous tous ici, Grecs comme Troyens, de pleurer les êtres qui nous sont chers? Et nous, sommes-nous pas tous ici des chagrins potentiels pour ceux et celles qui nous aiment? N'avons-nous pas chacun à l'esprit l'image d'un visage dévasté à la nouvelle de notre mort? Le visage d'un père, d'une mère... d'un frère, d'une fille, d'un compagnon, d'une épouse, ravagé par le feu de la douleur, ravagé, et tu viens me rapprocher mes larmes. Puisses-tu, Ulysse, n'avoir jamais à regarder la peine de ceux qui t'aiment? Qu'aurait dit Achille s'il t'entendait, s'il fallait que, depuis la mort, il nous parle de sa mort. J'aurais cherché les mots les plus doux qui soient. Vivant, je savais que j'allais mourir, mais je ne savais pas pourquoi. Et je suis mort de la meilleure manière qui soit, puisque je suis mort pour avoir vengé les miens. C'est Zeus qui a voulu tout cela. S'il lui avait été plaisant que je survive, j'aurais survécu. Mais à quoi bon survivre si Patrocle, de tous mes compagnons le plus proche, est déjà sous la terre? À quoi bon passer ma vie dans le deuil? À quoi bon survivre si, en tuant Hector, j'ai tué le meilleur des héros qu'il me sera donné d'affronter, qu'aucun ne pourra jamais égaler? Qu'attendre encore de la vie? Je les rejoins tous deux. Mère, mère, oh comme ce mot ouvre à chaque lettre un gouffre, pardonne-moi. Pardonne le chagrin auquel ma mort te condamne. Pour toi, je n'aurais été que source d'inquiétude dès ma naissance jusqu'à ma mort. Tu me pleures quand je devrais, moi, te pleurer. Mais mourant, j'ai vu passer ton visage. J'ai senti l'odeur de tes bras, entendu le doux son de ta voix. Tu aurais dû rester parmi les immortels et mon père Pélée aurait dû partir avec une mortelle. Tu n'aurais pas autant souffert. Mais non, les dieux voulaient voir ton âme endurer la perte de ton fils. Tu es mort, Achille. Te voilà cheminant vers l'Hadès, tout auréolé de gloire, roi des morts. Je voudrais être un mercenaire. Ulysse, je voudrais être le plus misérable des maîtres. Être le dernier des porchers plutôt qu'être le roi des morts. Ombre parmi les ombres. Rien ne vaut la vie. Mes paroles, vous ne les entendez pas.
Aucun cadavre n'est encore parvenu à consoler les vivants. Éteignez vos flambeaux pour que la nuit montre le plus obscur de son cœur. Les feux s'éteignent, et dans la nuit noire, l'obscurité enduit le visage de ceux qui sont là. Yumi dem ga yo, yo sunyo ashil. Yumi dem ga yo, yo wetel ganyoy. Yumi dem ga yo, deji jahlenen. Yumi dem ga yo. Yumi dem ga yo, yo sunyo ashil. Yumi dem ga yo. Un silence plein de douceur règne tout à coup. Douceur oubliée de nous tous depuis si longtemps. On dirait qu'un enfant dort. Comment croire que la guerre soit passée en mugissant? Prends garde cependant, Agamemnon, roi des Grecs. Elle n'est pas répit plein d'ironie, et les funérailles d'Achille ne sont qu'une trêve. Crois-tu que les dieux en ont fini avec vous? Crois-tu parce que la guerre est terminée, parce que le sang de Priam a coulé, parce que le sang de Paris a coulé, parce que le sang de tous les Troyens mâles a coulé, parce que demain vous vous partagerez les Troyennes? Crois-tu que les dieux vous laisseront retrouver librement vos vies d'avant? Les dieux aiment ceux qui obtiennent la victoire. Les dieux s'ennuient vite dès lors que nous ne souffrons pas. Et demain, toi, Agamemnon, toi, Nestor, toi, Ajax, toi, Ménélas, toi, Ulysse, vous aurez à leur rendre votre dû. Et il n'est pas certain qu'un seul parmi vous gardera sa vie pour lui, ni qu'aucun ne saura retrouver le bonheur. Tu cherches à nous maudire, Tétis? Non, roi, je veux vous dire de profiter de cette trêve et de songer au corps du guerrier allongé là. Car peu d'entre vous demain auront la chance de recevoir pareil honneur. Regardez tout autour les armes d'Achille. Demain, ces armes sèmeront la discorde. Toi, Ajax, le rempart des Grecs, tu les réclameras. Toi. Ulysse, à qui nous devons la ruse du cheval, tu les réclameras. Toi, Agamemnon, le chef, en ta qualité de chef, tu les réclameras. Et la mort d'Achille sera oubliée. L'amitié dont nous faisons preuve ici sera oubliée, piétinée, piétinée. Demain, oiseaux, chiens, rapaces disputeront vos cadavres et nul besoin de Troyens pour vous détruire, nul besoin de Troyens pour vous éloigner plus encore de votre patrie. Alors, au lieu de profaner les dieux par les reproches que vous vous faites les uns aux autres, au lieu de profaner en reprochant à une mère ses larmes amères, faites vœu d'amitié pour le corps qui est là. Faites preuve de mesure, faites preuve de patience pour que les dieux vous viennent en aide lorsqu'il s'agira de regagner vos patries. Tétis, que les dieux sévissent contre nous et tu me verras, moi, Ulysse, le plus heureux des hommes, car cela signifie qu'ils s'occupent encore de nous. Ils s'occupent à nous faire souffrir. Il s'occupe à nous donner et à nous ôter l'espoir. Pour ma part, je crois que tout cela a disparu. Toi, comme les paroles qui te sortent de la bouche, êtes les restes d'un monde qui s'achève. Toi qui doutes, Ulysse, fais silence et entends. Il approche le pas léger du dieu qui jamais ne rate sa cible. Apollon, le maître de l'oracle, que je respecte autant que je hais pour avoir présidé à la mort de mon fils. Entre Apollon, avec lui les oiseaux du ciel piaillant. Il rit, mais sa bouche n'émet aucun son. Les oiseaux tournent, ce sont les paroles du dieu. Est-il là, n'est-il pas là? Chacun entend ce qu'il veut entendre.
Chacun est convaincu de ce qu'il voit, de ce qu'il ne voit pas. Raison de l'hilarité silencieuse du dieu au carquois. Au milieu de Troie en flammes, dans les hurlements de mort, je me suis penché vers toi, Achille, et j'ai dit « Ici s'achève ta vie dans son incandescente brièveté. » La frayeur me saisit. Le courage m'abandonne. Sais-tu pourquoi tu meurs ? Pour la gloire. Elle t'est accordée. Alors ne crains rien. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait naître ce doute en ton cœur, Achille ? C'est que j'ignore si, de cette gloire là où je vais, je tirerai quelque profit. Quel profit tirer de la mort quand la vie est le lieu pour faire et agir ? À quoi cela a donc servi ? On dira, il se battait bien, était le plus fort, a vécu pour la gloire, mais... Mais se reconnaîtra-t-on en mon exemple ? Pas autant qu'en celui d'Hector. Hector a fait preuve de lâcheté, et il est mort dans la crainte de m'affronter. Justement. Les mortels se reconnaissent dans leur fragilité, non dans ce qui les surpasse. Tu ne l'avais pas compris ? Et tu as ri, Dieu cruel, quand tu as vu dans mon œil l'effroi de qui comprend son erreur quand il est trop tard. Et les ténèbres sont venues te fermer les yeux. Et moi, à l'instant même où la vie t'a quitté, suivie des nymphes de la mer, je suis venue aussitôt te pleurer. Les Néréides ont poussé leur lamentation et t'ont revêtu d'habits immortels. Même Apollon, qui ordonna ta mort, en fut troublé. Et pour qu'il soit dit plus tard que la vérité aussi pleure la mort des héros, lui, le maître de l'oracle, genou à terre, versa des larmes de tristesse. Cela, qui peut le nier ? Qui peut nier la présence du Dieu là, au milieu de nous ? Moi. Personne n'est là parmi nous, Tétis, sauf les oiseaux. Attirés par les cadavres qui jonchent encore la plaine de Troie, je dis qu'Apollon n'y est pour rien dans la mort de ton fils, car hier, au cours de cette noirceur d'orage en plein jour que nous avons fait abattre sur la cité de Priam, il n'y avait que des humains égorgeant d'autres humains. Sais-tu ce que c'est, des hommes enragés par 10 ans de siège, 10 ans loin de leur patrie, 10 ans à pleurer les amis morts ? Sais-tu ce qui se passe ? As-tu la moindre idée de ce qui arrive lorsque ces hommes, déterminés à ne faire aucun quartier, entrent dans une cité endormie ? Eux, comme les chiens, sont dévorés par le besoin de faire entendre, jusqu'aux confins, les hurlements de terreur de ceux qu'ils s'apprêtent à massacrer. Veux-tu que je te raconte comment ça se passe ? Lorsque, remontant par petits groupes une ruelle de Troie, on surgit dans les maisons tels des taureaux pour, les arrachant de leur lit, saisir d'une seule main des enfants, qu'avec un couteau à double tranchant, on éventre par le bas, comme on éventre un sac pour le vider de son eau. Les hommes, on les tuait sans attendre, mais les femmes, Tétis, beaucoup d'entre elles n'ont pas eu cette chance. Non, elles n'ont pas eu droit à la mort simple qui délivre de l'horreur. Au contraire, nous tuions devant elles ce qu'elles avaient de plus cher. Nous violions devant elles leurs filles, leurs mères. Nous émasculions sous leurs yeux leurs fils, leurs maris, avant de les tuer elles-mêmes le plus lentement possible, pour qu'elles puissent, traversant les trois passages, ressentir toute l'amertume de la défaite et de l'humiliation. Un bras, Tétis, y a une manière d'y pénétrer la lame pour détacher le blanc d'une muscle. Une jambe, Tétis, y a une manière d'enfoncer la lame pour disloquer les os des genoux. Et souvent, quand ces femmes touchaient à l'acmé de douleur de leur sein, comme un dernier signe de vie, le lait se mettait à couler. Et crois-tu que cela ouvrait notre pitié ? Crois-tu qu'un dieu est venu retenir notre folie ? Au contraire. Avant de tuer ces femmes qui avaient pour beaucoup l'âge de nos femmes, l'âge de nos filles et l'âge de nos mères, nous leur avons ouvert si lentement le ventre qu'il nous était possible d'y pénétrer notre sexe et de les violer dans leurs blessures, les égorgeant à l'instant de la jouissance. Et les hommes que tu vois là, tous les hommes que tu vois réunis ici, le visage lavé par le chagrin de la mort de ton fils, ont posé les gestes que je te décris. Et Achille,
ne fut certainement pas le plus tendre. Alors non, non. Je ne crois pas qu'il faille ici évoquer la marche d'Apollon ni la présence des dieux, mais quel dieu ? Il n'y avait que des hommes, et il y aura toujours que des hommes, jusqu'à ce que le dernier disparaisse. Et j'ajouterai que si, me trompant, il y a un dieu parmi nous, il devrait de ce pas s'en aller. Apollon, suivi des oiseaux, disparaît. Et au milieu de la colère des uns et des autres, au milieu des regards noirs nés du récit d'Ulysse, dans l'obscurité de la nuit, voici qu'Ajax, fils de Télamon, se lève. Cessons nos disputes autour du corps du plus valeureux d'entre nous. Lorsqu'Achille, semblable aux dieux, se retira des combats, j'ai été le rempart des Grecs, et face à Hector, le tueur d'hommes, j'ai su nous préserver de la défaite. Je me sens donc l'autorité d'exiger le respect pour le corps qui gît là. Et toi, Ulysse, tu sauras qu'il n'est pas juste de faire affront aux dieux, ni d'évoquer la folie dans laquelle Arès jette les guerriers lorsqu'il s'agit de dévaster une cité. La parole qui sort de ma bouche, Ajax, n'est pas faite pour convaincre. Que tu penses autrement ne m'empêche ni de t'aimer, ni de reconnaître ta valeur. Puisse l'amitié qui nous lie, fortifiée par les combats que nous avons menés, résister aux exactions que je t'ai vu commettre cette nuit, et aux exactions que tu m'as vu commettre cette nuit. Nous pouvons mentir à tous ceux qui n'étaient pas là, mais toi et moi savons ce dont nous sommes capables. Nous resterons amis par la mémoire de celui qui est mort. Et pour que sa gloire soit entière, illuminons l'heure la plus noire par le récit de son combat contre Hector. Ce combat n'est pas de votre fait. C'était la voix froide de Xanthos, le cheval guerrier d'Achille qui, depuis le début, restait immobile à contempler la dépouille de son maître que, si souvent, il avait porté dans les plus terribles mêlées de ses puissantes pattes. Je suis moi, Xanthos, redoutable fils d'Hyperion, le cheval à qui les dieux ont fait don de la parole, et ce récit, Ajax, il n'appartient pas aux hommes, mais aux bêtes, puisque seules les bêtes, oiseaux, chevaux, chiens et serpents y ont assisté. Et doué de l'art du langage, je suis le seul à pouvoir vous le rapporter. Voici le divin Achille, revêtu de ses armes forgées par le dieu forgeron, étincelant sous la lumière. Voilà qu'il avance vers moi, le regard rougi par la soif du sang d'Hector. J'avais promis de ne plus prendre part au combat, mais Hector a tué Patrocle. Quelle promesse peut encore tenir devant l'impensable ? Je vais soit tuer Hector, soit être tué par lui. Songe seulement, Xanthos, à assurer mon retour, advenant qu'Hector me donne la mort à mon tour. Ne me laisse pas comme Patrocle au milieu du jardin ennemi. Il dit, et sautant sur mon dos dans un cri, il me mena aux murailles de Troie, moi galopant, lui hurlant, ou, diamant brillant, sous le soleil, éclat vif, blessure d'or, attendait Hector, le grand guerrier au panache. Je suis là, le cœur ouvert, le cœur découvert. Tu veux en manger ? Je vais te donner le mien à dévorer. Je ne fuirai plus devant toi, Achille, aux pieds rapides, comme j'ai pu le faire. La peur t'a enfanté, et tu ne connais rien du courage. Que connais-tu du courage, toi qui ne connais pas la peur ? Et quel courage y a-t-il, dis-moi, à ne pas dépasser sa peur ? Et sans peur, comment peux-tu encore prononcer le mot « courage » ? Toi, tu as avec toi les dieux, tu as avec toi l'Olympe, quand j'ai avec moi ma cité et l'amour de mon père. Je le tuerai de chagrin alors en tuant son fils. Son chagrin sera humain quand celui de ton père sera monstrueux, puisque loin de ton corps, il pleurera une idée, une vision qui fracassera sa tête contre le mur de sa maison. Ce chagrin-là, cependant, je ne le souhaite ni à ton père, ni au mien. Et si je t'ôte la vie, je ne te dépouillerai pas de tes armes. Je rendrai ton corps aux Grecs. Fais de même si, comme les dieux l'entendent, tu prends le dessus sur moi. Exécrable Hector, il n'est pas donné que nous nous aimions, et entre toi et moi,
Il n'y a plus de ligne qui saurait prescrire les lois du combat. À présent, je te conseille de te souvenir de tout ce qu'on t'a appris. Tu en auras besoin si tu veux espérer me battre. Il dit et lança sa pique à l'ombre longue, mais Hector s'était baissé et la laissa filer au-dessus de lui, évitant par là la mort noire. Tu m'as manqué. À présent, mon tour. Et Hector de lancer sa javeline à l'ombre longue, frappant au centre le grand bouclier d'Achille sans le traverser. Alors, tous deux, tirant leur épée comme des aigles qui tombent des muets pour s'abattre sur des agneaux, se sont élancés l'un vers l'autre, poussant des hurlements terribles. Ma fureur était grande contre toi, Hector. Mais elle décupla quand je vis t'approchant que tu avais revêtu les armures de Patrocle. Te tuant, j'allais donc aussi d'une certaine manière tuer Patrocle. Elle te protégeait de partout, sauf en cette étroite commissure où les clavicules séparent le cou. Et là, j'ai choisi de te frapper en fonçant ma javeline dans ta gorge, sans pour autant trancher l'artère pour que tu puisses encore me supplier. Et l'on vit Hector s'abattre dans la poussière. Achille, par ta vie, par tes genoux, par tes parents, je t'en prie, éloigne mon corps des mâchoires des chiens. Accepte le trésor qu'on te fera et rends mon cadavre au mien. Ne m'implore pas, chien que dévoreront les chiens. Et si je pouvais, moi, avoir encore plus de colère pour te découper, te dévorer sous les murailles de ta cité, je le ferais. Non, ni ton père, ni ta mère ne te pleureront. Personne pour t'offrir les rites funèbres. Je vois que tu fais de ta victoire ta vengeance. Prends garde, Achille, que cette victoire ne se retourne contre toi. Me donnant la mort, tu me donnes la gloire. Et souviens-toi de cela quand Paris te tuera ici même. Tu meurs et tu continues à parler. Mais vas-y, parle encore. De quoi veux-tu que je me souvienne? Il existe une manière de gagner qui consiste à perdre. C'est la mienne, Achille, et c'est elle qui survivra. D'elle dont on se souviendra. Qu'importe ce que tu décideras de faire de mon corps, souviens-toi de moi. Pour Hector, ce fut le terme. Achille alors lui perça les tendons et l'attacha à son char et lui laissant traîner la tête, il monta sur son char et me fouetta et moi de voler aussitôt. Le corps d'Hector en traînant souleva un nuage de poussière et toute la ville de Troie de hurler. Noir de peine, Hécube et Priam, poussant depuis les remparts de très grands cris qui ne se sont depuis jamais éteints. Si les dieux m'ont donné la parole en cadeau, s'ils m'ont offert la douceur des voix féminines, ils ne m'ont pas fait don des larmes. Nous, les animaux, nous ne savons pas pleurer. Et quand la peine nous inonde, c'est notre mémoire que nous laissons couler. La mienne s'effondre devant le corps d'Achille. J'oublie. Et des minaillons. Et des minaillons. Ediminaio, ediminaio. Xanthos se retire d'entre les humains. Ulysse se lève et s'avance jusqu'au corps d'Achille. Il se penche et lui parle à l'oreille. Achille ? Toi, le plus divin d'entre nous, tu marches seul dans ce chemin qui vaut mieux appeler Sente ou Rédion et qui est le rédion de la mort qui ne s'aplanira jamais malgré le nombre immense de ceux qui l'ont déjà emprunté. Il reste nouveau pour chacun car si on peut mourir à la place d'un autre pour permettre à cet autre de vivre, nul ne peut mourir notre mort à notre place, comme nul ne peut naître notre naissance à notre place. Et nous sommes alors seuls. Mais ma voix est là, Achille. Mon compagnon, écoute-la.
D'ici peu, l'aube aux doigts de rose redonnera aux humains la clarté du jour, mais pour les Troyens qui restent, le soleil se recouchera sans eux. Demain, comme hier, nous irons dans le sang rougir le ciel pour achever notre victoire contre le peuple d'Hector. Et pourtant, avec ta mort, demain doit radicalement changer. Quelque chose ne doit pas se passer comme ça se passe d'habitude. La guerre, siège, invasion, destruction, massacre, puis distribution des parts entre nous. Une loi monstrueuse doit s'achever cette nuit, et je veux pour cela te prendre à témoin. N'as-tu pas pris en pitié le vieux Priam lorsqu'il se présenta à toi pour te réclamer la dépouille de son fils? Que s'est-il passé dans ton esprit, toi qui avais une haine féroce contre Hector, quand tu as vu s'avancer le vieux Priam? Toi qui peut-être m'écoutes depuis les vallées de la mort, peux-tu me le dire? Je peux te le dire à toi, noble Ulysse. Priam s'est avancé dans la nuit, porté là par Hermès, qui l'aida à passer à travers le camp des Grecs jusqu'à ma tente. Il se mit à genoux et prit mes jambes entre les bras. Achille, souviens-toi de ton père et remets-moi le corps de mon fils. Je n'avais plus de mots ni plus de voix devant cette vision. Priam à l'apparence divine, comment as-tu osé approcher du camp des Grecs, de mes nefs, de ma tente, de mon lit? Quelle crainte puis-je encore avoir, Achille, quand tous ceux pour qui je craignais, tu les as tués? Écoute-moi, divin guerrier, écoute la voix d'un vieillard. Le vieux Pélée, ton père, pense à toi tous les jours, il tremble, car comment un père pourrait-il ne pas trembler pour son fils? Achille, semblable aux dieux, ton père n'a-t-il pas des yeux pour pleurer son fils, et moi, n'ai-je pas ces mêmes yeux pour pleurer le mien? Et qui mieux pour comprendre le père d'Achille, sinon le père d'Hector? Souviens-toi de ton père, Achille, et remets-moi le corps de mon fils. Vie ou mort, la différence est de peu comme perte et joie. Achille, hier encore, ce fils nous défendait, nous et notre cité. Quel mal y vois-tu? Et n'aurais-tu pas défendu toi-même ta cité? Et quelle pensée en ton cœur aurais-tu eu si Hector ne s'était pas montré valeureux? Hier, tu l'as tué. C'est pour lui que j'arrive aujourd'hui aux nefs des Achéens pour réclamer son corps et permettre à mon peuple de lui offrir le digne respect du feu qui purifie de tous les regrets. Voyons, Achille, respecte les dieux et de moi prends pitié comme tu aimerais que l'on prenne pitié de ton père. Et ma main, il a commencé à la baiser. Et moi, me souvenant de mon père, certain que je mourrais loin de lui, je me suis effondré entre ses bras pour, pleurant entre les bras de Priam, rêver un peu que je pleurais entre les bras de Pélée. Ne suis-je pas le plus misérable des hommes puisque je console celui qui a ôté la vie à mon fils? Le père pleurait le fils comme le fils pleurait le père. Lève-toi, Priam. Nous sommes tous dans l'affliction. Qui peut dire ici qu'il y a un quelconque vainqueur? Je n'offenserai pas les dieux en retenant parmi les vivants celui qui désormais appartient au monde des morts. Je n'inverserai pas les lois. Je ne déroberai pas à Hadès celui qui est parti le rejoindre, et grâce à toi, je ne me déshonore pas. Tu prendras le corps d'Hector, noble vieillard, et je retiendrai le combat autant de jours qu'il le faut pour vous permettre de rendre les honneurs à ton fils. À présent, pars. Tu as délivré ton fils, mais la rançon que pour ta vie nous pourrions exiger aux Troyens vaut trois fois davantage si Agamemnon apprenait que tu es ici, en territoire ennemi. Pars et ne te retourne pas. La prochaine fois que nous nous verrons, ce sera au jour de notre mort à tous deux. Jeunes ou vieux, cette guerre aura fait de nous tous des vieillards. Priam repart, emportant avec lui, soulevé par six guerriers grecs, le corps de son fils. Et je l'ai vu s'éloigner dans la nuit. Aujourd'hui, marchant moi-même dans la vallée des morts, je comprends les paroles d'Hector. Il existe une manière de gagner qui consiste à perdre. Ce que nous n'avons pas su faire lorsque nous sommes entrés comme des lions dans la ville pour tout saccager. Toi, Ulysse, il te revient d'empêcher notre défaite et celle de nos enfants. Sauve-nous
et brûle ensuite mon corps. Les premières lueurs de l'aube apparaissent. Agamemnon se lève. Voici le temps de la dernière parole. La nuit relâche son étau et bientôt tout rosira entre les doigts nacrés de l'aube. Pour le divin Achille, ce sera l'entrée dans la clairière des ombres. Son bûcher brûlera du bois volé aux belles demeures troyennes et l'urne d'or contenant déjà les cendres de Patrocle recevra celle d'Achille pour les mêlant l'une à l'autre. Nous allions, avant la fin du jour qui va naître, confier leur amitié à la grande mère qui emporte tout. Agamemnon, tu as bien parlé et cette nuit réconcilie ce que votre dispute avait brisé, mais avant de confier le corps d'Achille au feu salvateur, il convient de nous dire ce que tu comptes faire et de Troie et de ses survivants. Nous ferons et de Troie et des Troyens ce que depuis toujours les vainqueurs font des vaincus. Tout peuple incapable de s'opposer en conquérant disparaît. Tout peuple qui, par crainte de faire usage de violence, tente de ménager une paix durable, paix monstrueuse à force de soumission, disparaît. C'est à cette loi que nos ancêtres ont obéi et à elle que nous avons à obéir à notre tour. C'est que, roi, depuis cette nuit, cette loi est caduque. Qui t'autorise à déclarer cela ? Le bon sens qui a surgi de cette nuit insensée qui nous ordonne de tout bouleverser selon une loi nouvelle. Tu te prends donc pour le législateur des dieux ? Non, non, mais pour un homme de mon époque. Je veux te montrer que sur nous aujourd'hui s'impose un soleil nouveau. Rien de plus proche d'aujourd'hui qu'hier. Achille est mort. Comment pouvons-nous croire que demain puisse encore être comme hier ? Nous voulons honorer Achille et pour cela nous brûlons son corps, nous tuons 27 nouveau-nés Troyens, 27 bœufs parfaits. Que nous conseilles-tu de faire alors ? Comment voudrais-tu que nous signions cette victoire ? Je dis, cette guerre qui fut la nôtre est plus grande que toutes celles que nos pères ont menées. Je dis, nous sommes la génération appelée à s'inscrire dans les mémoires à venir et au lieu du sceau de l'extermination, Agamemnon, fais en sorte que plus rien ne puisse s'appeler victoire s'il n'est pas marqué par celui de la réconciliation. Une nouvelle loi est là, ne la pressens-tu pas ? Elle nous encourage d'entrer dans Troie sans nos armes et de relever la ville, de relever les survivants et de poser avec eux les pierres qui pourront sceller entre nos descendants la réconciliation. Et ce jour-là, le monde proclamera la victoire des Grecs et on proclamera la loi d'Agamemnon. Et on dira de nous que nous avons réussi l'impensable et dès lors, toute guerre après celle-ci sera mesurée à l'aune, non pas de l'effacement, mais de la vie. Exterminons-les et il s'en relèvera toujours un pour dans les générations qui viennent renverser nos cités. Nous avons tout à gagner, Agamemnon. Regarde, regarde, l'aube est là. C'est dans les minutes qui viennent là qu'il te faut décider. Changeons le monde, changeons tout. Sauvons le monde de son sang et offrons-lui la parole. Et ce n'est pas un lâche qui te parle. Tu connais ma valeur au combat, tu connais ma fidélité, tu connais mon cœur. De ces minutes-là dépendent les siècles prochains. Car nous en serons toujours la référence. Il s'agit de préserver les vivants. Les vivants se préservent eux-mêmes et ceux qui échouent à le faire ne méritent pas la vie qui leur a été donnée. Que le feu embrase le bûcher d'Achille au sang d'or. Et vous, valeureux guerriers, préparez-vous à enterrer dans le néant la vaste cité de Priam et que plus jamais le nom de Troie ne puisse retentir dans les mémoires. Là, et la dernière parole de cette guerre. Le soleil se lève, le feu s'allume, Thétis avance. Le feu te dévore, Achille, comme les hommes dévorent les hommes. Les paroles d'Ulysse sont arrivées trop tôt, trop tard. Ils sont partis, tes compagnons.
Je les entends rugir. J'entends les cris des morts. J'entends les agonies là-bas derrière les hautes murailles. J'entends les gouffres des vies qui s'éteignent. Est-ce que ce massacre apaise ton esprit ? Comment savoir ce qui peut consoler les morts quand nous n'avons toujours pas trouvé ce qui peut consoler les vivants ? Ah, mon fils, ton âme se retire. Elle ne laisse sur la plage de mon cœur que les débris d'un jour, des mots anciens, une berceuse, des parcelles d'images, quelques rires et la joie immense du jour de ta naissance. Battement de cils. Tu es mort. La porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte, celle du dernier jour de ta vie. Le temps glisse entre nos mains comme glisse le sable fin entre les mains de l'enfant. Que dire ? Que jamais qui que ce soit ne puisse expliquer nos vies. Il nous faut demeurer un mystère. Et que nos gestes étonnent par leur puissance. Au dernier jour de notre vie, chacun aura alors vécu la vie juste et bonne que les dieux espèrent de nous. L'inexplicable mort est toujours là, à la fin, qui attend. Et les morts ne parlent plus. Ceux qui font l'honneur et la richesse du monde, nul ne peut expliquer leur grandeur. Seuls, les criminels sont explicables. Le feu consume le corps d'Achille dans le saccage effroyable de Troie. Yo mi so gise yo Sunim aduna yo Warna nyo maitu hiro Ak nga yo Day Bagna Nanyu jem Jem akhe ngir mbegel anando C'était « La mort d'Achille », texte inédit de Wajdi Mouawad, enregistré en public au Festival d'Avignon dans le Jardin du Musée Calvet le 15 juillet 2019, avec Sofiane Zermani, Achille, Amira Kazar, Tétis et Xanthos, Jérôme Kircher, Ulysse, Adam Adiop, Agamemnon et Hector, Xavier Gallet, Nestor, Ajax, Priam, Thibaut Cutler, Taltibios, Messager et Apollon. Musique originale, Issam Krimi. Musique interprétée par Issam Krimi, piano et laptop, et Angèle Degaza, violoncelle. Équipe technique, Benjamin Perru, Bastien Varigo, Benjamin Thuo, Alain Piette. Coordination technique, Sandrine Bréchaud. Captation YouTube live, Georges Thau, Camille Mermite. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. C'est une réalisation de Alexandre Planck. Demain soir à 20h, vous retrouverez les programmes de fiction en direct et en public du Musée Calvet. Ce sera Marie Chellet, une fiction, un texte de Hélène Frappa, réalisé par Christophe Hoquet. Je vous souhaite une bonne soirée sur France Culture. Merci à tous, merci beaucoup. Je pense que nous sommes tous d'accord pour réclamer la présence sur scène de l'auteur Wajdi Mouawad et de notre metteur en scène Alexandre Planck.